Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le déballage d'une colonne de douche Cook & Lewis achetée à Brico Dépôt 160 euros. Donc ça va nous permettre de voir un peu la qualité du produit. Allez, c'est parti! Bon, déjà l'ouverture. Ça va, l'emballage est un peu parfois, bon, voilà, ça va pas arracher, c'est pas très grave. La notice de montage. Voilà, ça va nous permettre de voir aussi ce qu'il y a de fourni. La notice est à peu près claire. Ça va être les conditions de garantie. C'est important aussi, il y a une garantie de 5 ans, mais c'est une garantie constructeur. Donc à mon avis après tu retournes à Brico Dépôt, tu la fais changer, il n'y a pas de souci. Donc là on a la bouchette. Elle est bien emballée aussi. Et en plastique. Bon. Après. Maintenant pour le prix, il ne faut pas s'attendre à beaucoup mieux. Bah, c'est assez qualitatif quand même. Les petites chevilles, une vis, une petite clé BTR. Ça, c'est la petite pièce qui sert à fixer la colonne au mur. Le flexible, c'est très bien, les deux joints sont fournis, c'est une bonne chose. Ensuite, là je suppose que c'est mitigeur. Thermostatique. Pareil, l'emballage est toujours bien. Ça fait son poids. Il n'y a pas de rayure. Un petit peu sale, mais il n'y a pas de rayure du tout. Des petits filtres à chaque entrée. C'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien quand il y a des petits filtres parce que comme c'est des cartouches en céramique, s'il y a un petit caillou qui passe qui vient rayer la céramique dans la cartouche, bah forcément après tu as des fuites. Les deux rosaces, pareil, toujours bien emballé. Je vais pas les déballer tout de suite, je les déballe vraiment en dernier. Moi je suis sûr de pas les abîmer. Les petits joints, c'est impeccable, qui vont se mettre ici après. Les excentriques, alors moi c'est pour remplacer une colonne de douche déjà existante, on va le voir dans la vidéo d'après, je te mettrai le lien. Donc les excentriques sont déjà fixées. Normalement, je ne devrais pas être embêté. Ça devrait être assez rapide. La colonne en elle-même. C'est pareil. C'est très très bien emballé. Un petit tissu autour. C'est agréable de voir ça en fait quand tu achètes un produit. Le fabricant lui-même, déjà, un minimum de respect pour le client. Et puis la chaussette, la grande chaussette. Pareil, il n'y a pas de rayure. C'est nickel. Et la pomme de douche, je suppose. Il n'y a plus que ça. Il n'y a pas de rayures, pas de coups. Un petit bouchon. Ici. Puis là, il y a toutes les petites pointes anti-calcaire. Alors ça, c'est pareil, à l'usage, bah, c'est super pratique. Parce que dès que tu vois, quand tu es sous ta douche et puis tu n'es plus arrosé comme il faut, hop, tu passes un petit peu ta main. Ça fait travailler le caoutchouc et puis les petites pointes de calcaire sont bons. C'est super pratique. Allez, on va aller se monter ça maintenant.